font des trucs super lents, il y a toutes sortes de façons de... On peut vraiment inventer, même on peut inventer des nouveaux trucs, hein. On peut faire un truc en carton. Hop, je vais lui mettre un nez ici. C'est de l'impro, hein. On est dans l'improvisation. Un peu petit le nez, tant pis. Ça, tac. Allez, on fait des narines, ça va lui. Tu respires, ce petit. Là. Ok. Ah, il est presque fini. Ça a été rapide. On va lui faire les yeux. Alors, les emplacements des yeux. Ils vont être à peu près là. On va aller faire des petits creux pour les yeux, quand même. Tac. Tac. Alors, ça, c'est des yeux. Est-ce qu'ils vont aller? C'est des yeux. Pourquoi cette forme-là? J'en sais rien. On va voir. Si ça va pas, bon, je vais les faire ouais, comme ça. Il a des grands yeux. Il a des très grands yeux. Tac. On coupe la sphère en deux. Oh, c'est pas égal. Hop. Et ça, ça va faire la paupière. Voilà. On fera les pupilles après. C'est pas une bouche finalement, c'est un orifice. Et on fait un petit trou. Chut. Petite oreille ou grandes oreilles? Allez, on verra. Hop. Tac. On va les faire pareil. Hop. Alors ça, ce sont des oreilles, ça? Bien sûr, regardez. Hop. Une oreille. Et tac. Hop. Deuxième oreille. Attention. Ça fait mal, une oreille qui tombe. Et voilà, deuxième oreille. C'est du vite fait, hein, parce que bon... On n'a pas le temps. Tac. Tac. Voilà. Voilà. Bon, c'est important quand même de lui faire des pupilles, sinon il... Bon, alors je vais au feutre, hein. Normalement c'est pas comme ça, mais... C'est juste pour lui donner... Oh, là c'est petit, ça. Voilà, il est déjà plus expressif comme ça. Ça avait un peu bizarre, hein, la dimension. Drôle de dimension. Ça, c'était pour un groupe de musique. Bon, elle a un peu un drôle de tête parce que j'étais obligé de rallonger le manche parce que ça allait. Ça, j'ai plus eu des problèmes à la prise de vue. C'est une Stratocaster, on peut dire. Stratocaster, pas très bien accordée. Hein. Non, il faudrait que je la raccorde. Et il manque des boutons. Hein. J'ai oublié un bouton là, grave aigu. Et le jack, là, le fil. Comme ça. Et si tu regardes bien, il y a la marque de l'ampli, attention, hein. Fender. Ça rigole pas. Mais pendant le mouvement, pendant qu'on bouge le personnage, on est amené à un peu retravailler la pâte à modeler, mais ça ne me dérange pas. C'est comme quelqu'un qui fait du dessin animé, il dessine tout le temps, donc pourquoi pas qu'on serait pas toujours aussi en train de modeler.
ça bouge, mais ça se remet toujours un peu bien en place, y a pas de problème. De toute façon, avec un appareil photo, comme on fait le montage après, on peut toujours... régler le mouvement. On va pouvoir doubler, tripler, etc. Mais là, on n'a pas la prise de vue pour faire le montage, ce qui est différent que quand je faisais une caméra. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon, bah c'est quand tu veux. Là, ça va, l'éclairage, c'est bien, chérie. Extraordinaire!